Cher Trouvelet, cher masqué, chers tous, ça y est, nous y sommes, 556e anniversaire de la première trace écrite mentionnant le carnaval de Malmedy. Chers amis, quelle impatience! Samedi dernier, je croisais une Malmédienne d'un bel âge qui me disait « Ah là là, on a beau avoir l'âge que l'on a, on sent dans ses tripes le carnaval approché. Les chars attendent rutilants, les costumes pendent gentiment, la salade russe repose, la bière s'impatiente et les jockeys piaffent. Chaque année, notre carnaval a du chien, mais cette année, il aura en plus du cheval à son programme. Et pas que dans les lasagnes. C'est aujourd'hui le grand jour de la grande course annoncée à grand renfort de publicité dans les médias locaux et sur de nombreuses vitrines pour le plaisir de presque tout le monde. L'émir du Qatar nous offre non seulement une piste d'athlétisme, mais nous met également à disposition les joyaux de ses haras. Les jockeys affûtent leur forme, certains en ont sans doute plus besoin que d'autres. L'agence Tiercé PMU de Chemin Rue est devenue même un partenaire de promotion médiatique de l'événement, et ce, à l'insu de son plein gré. Cher Trouvelet, l'année prochaine, si je reviens sur cette planche, je battrai mon record personnel, qui est de 2 éditions d'affilée. Pour toi, cela se présente moins bien. En clair, si tu es encore là l'année prochaine, c'est que tu es devenu bourgmestre. Aura-t-on un sixième Trouvelet né en 1959? Sixième Trouvelet d'affilée. Et oui, hasard ou coïncidence, nous en sommes au 10e carnaval d'affilée avec un Trouvelet issu du Yargang 59. Il semble que pour la ville de Malmedy, l'année 59 n'ait pas encore été érotique, mais bien troublétique. Cher Trouvelet, si ton mandat est limité dans la durée, ta renommée dépasse les frontières de notre belle commune. La NSA malmédienne, vous connaissez cette célèbre agence de renseignement, de services publics mise sur pied par les Lurons, la Malmédienne et l'Union. Eh bien, la NSA nous signale que lors d'une de tes visites incognito dans une boulangerie à Saint-Vite, la vendeuse t'aurait reconnue et t'aurait lancé un Zinzinich der Prinz Karneval von Malmedy. Vous aurez tout de suite remarqué que j'ai plus de facilité en allemand qu'en wallon. Cette année marque également le 45e anniversaire de la présence de l'émulation de Stavlo qui accompagne cette cérémonie de passation des pouvoirs au Trouvelet. Et 42e édition d'affilée pour un de ses membres. C'est Marc Germont qui, d'ailleurs, travaille à la ville de Malmedy. Au fait, pour que vous ne retourniez pas sans rien, je vous suggère de prendre l'une ou l'autre photo des lieux, et une fois à ce tableau, n'hésitez pas à aller montrer vos photos au conseil communal. Vous pourrez expliquer que ceci est une salle. Que cela reste avant et après le carnaval. Les goûts et les couleurs, c'est personnel, mais petit conseil d'un voisin qui vous veut du bien, c'est bien mieux qu'un chapiteau. Au dernier conseil communal, nous venons de célébrer 25 ans de mandat pour 2 mandataires communaux, un que j'aperçois en face de moi et un autre que j'ai
entreaperçus à l'entrée, Éric Servet et André Blaise. Tout notre respect. Certains croient que fin 88, début 89, pour son accession à l'Assemblée municipale, le alors tout jeune André Blaise, heureux de son élection et fier de son nouveau statut, s'était acheté une nouvelle voiture. Un somptueux break Toyota de couleur vert flash. Les plus perspicaces et les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il l'a toujours. À Stavelot, suite aux dernières élections communales, le bourgmestre a renvoyé le CDH dans l'opposition. Mauvais timing, Thierry. Ce n'est pas encore pour cette mandature que tu auras une ville nouvelle. Un peu de respect pour Stavelot, me direz-vous. C'est une capitale. Capitale du lait taré. Bon, quasi personne ne connaît une autre ville qui a un lait taré, mais ils en sont la capitale. Alors, respect. Il y a d'ailleurs plusieurs choses positives au lait taré. Vous avez difficile à me croire? Eh bien, je vais vous en faire la preuve par 5. 1. La fraternité de Malmedy, 4e groupe du cortège du lait taré. 2. Les échos de l'Amblève, 6e groupe. 3. L'écho des Charmilles, 11e groupe. 4. L'écho de la Warche, 15e groupe. Et 5. Les riboteurs de Malmedy, 16e groupe. Bref, allez au lait taré. Par exemple, dans la descente de l'avenue Ferdinand-Nicolaï. Le lait taré, ou comment revoir nos fanfares locales comme autant des pionniers, entre vestiges et pavés. On va encore me dire que je suis trop piquant, dit Stavelot. Que l'on aurait tort quand on dit que c'est une ville où il y a beaucoup de personnes âgées. Bon, d'accord. Mais ce n'est quand même pas de ma faute si une de leurs jeunesses les plus actives s'appelle les vétérans. Allez, je suis d'humeur moqueuse, mais je dois également vous relater un événement de nature plus privée. Je ne comptais pas en parler, mais comme la ville bruise de rumeurs, autant les clarifier et s'amuser de nos frayeurs. Après tout, elle quoi. À l'aube du 23 janvier de cette année, notre petite Emma avait décidé de montrer le bout de son nez. Départ aux aurores de chaud pour la clinique. Non pas de Malmedy, mais de Raucourt, puisque c'est là que le gynécologue nous attendait. Mauvaise idée. Toujours est-il qu'en chemin, les contractions devenant de plus en plus rapprochées, et malgré ma totale incrédulité, devenue ma plus grande stupéfaction, notre petite Emma a vu le jour dans la voiture. Avant d'arriver à la clinique. Bref, après une conduite, ma foi virile, tout le monde arrive à bon port, et happy end, le bébé et la maman se portent bien. Il ne me restait plus qu'à récupérer la voiture, sauf que sur l'espace passager, il y a la preuve que nous n'avons pas le sang bleu dans la famille. Morale de l'histoire, pour un accouchement en toute sérénité, accoucher à la clinique de Malmedy. Pour une voiture à l'intérieur impeccable et à la senteur de sapin, ne faites pas le radin comme moi, cochez l'option cuir. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la grosse pièce, comme dirait l'autre. Discours et voilà. Tout d'abord, je vais encore vous demander d'applaudir. Déjà, comme ça, je suis sûr. Non, sérieusement, je vais vous demander d'applaudir chaleureusement Frère François Joseph, qui a écrit ce discours en wallon pour les bourgmestres successifs pendant... Jean-Paul Ier qui fait pas le bref. André et Jean-Paul II. Je vous demande de l'applaudir parce que j'ai demandé d'avoir un regard neuf et que cela soit quelqu'un d'autre qui écrive le discours en wallon cette année. Jean-Claude Maréchal mérite tout notre respect, notre considération pour cette œuvre qui est tout sauf simple, une œuvre de 20 ans. Merci de ma part et merci pour lui.